Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va s'intituler une vidéo FAQ 2020. J'ai eu des questions de Eugénie qui est déjà venue sur la chaîne et d'une autre personne, voilà. Et je devais vous la faire normalement beaucoup plus tôt, beaucoup beaucoup. Sauf que le jour où je voulais la faire, déjà, bah, y avait ma copine qui était venue dormir. Et en plus, j'avais eu. Et je crois que c'était le jour-là, oui. J'avais eu l'accident devant chez moi. Du coup, bah voilà, je pouvais pas. Et en plus, après l'après-midi. En plus, je l'avais fait. Sauf que ma copine, elle m'a lu les questions. Elle m'a dit. Elle a dit le prénom de celle qui m'a posé les questions. Du coup, je ne voulais pas. Parce que je sais pas si cette personne veut être sur YouTube ou pas. Du coup, je ne voulais pas. Et du coup, bah, ah, aussi parce que. Déjà, sa mère était venue la chercher après. Du coup, j'avais dû couper. Et en plus, voilà. Et en plus, après, je devais aller à l'hôpital et tout le tralala. Bref. Et du coup, je vous la fais aujourd'hui. Voilà, je vais vous la faire. J'y a beaucoup de questions. Hein. J'en ai rajouté parce que j'en suis sûre qu'après il y en a qui vont me demander ça. Du coup, il y en a que j'ai rajouté, il y en a que c'est Eugénie qui m'a posé et une autre personne. Voilà, et d'un autre côté, une autre personne. Du coup, voilà. Je tiens aussi à préciser que bientôt vous aurez un room tour normalement. Il faut que j'achète quelques trucs encore et que j'accroche des choses encore. Bah, c'est un truc que je dois accrocher encore. Voilà, je dois encore accrocher un truc et non deux trucs et je dois non trois trucs et après je pourrais vous le faire. Voilà, et vous verrez, il y aura beaucoup 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 de changements dans ce room tour, beaucoup mais beaucoup. Voilà, vous verrez bien, je vous en dis pas plus. Alors du coup je vais commencer. Il y a une question, il y en a qui vont dire, en fait la question c'est mon prénom préféré, mais je vais vous dire comment ça, il y en a qui vont se dire comment ça son prénom préféré. En gros c'est, bah mon prénom préféré ça devrait être, soit c'est un prénom de fille déjà ou soit un prénom de garçon. Et après je vais vous expliquer pourquoi c'est mon prénom préféré. Mon prénom préféré déjà c'est un prénom de fille parce que prénom de garçon, bah j'en ai pas de préféré. Mon prénom de fille que j'adore c'est Mila. Ben, je sais pas pourquoi mais j'adore ce prénom. Parce que ben, je sais pas. Bref. Je sais pas dire pourquoi mais je l'adore. Parce que voilà. Franchement si j'aurais une fille quand je serais grande, je l'appellerais comme ça. Après, bien sûr, si j'ai une fille qui va s'appeler Mila, vous le verrez dans mes vidéos quand je serai grande. Parce que je compte continuer. Bon bref. Je compte. Je sais pas si ça se dit, je compte continuer. Ma chaîne, je serai grande. Bon, bref, si ça se dit pas, tant pis, mais bref. Du coup. C'est quoi ce truc? Et si j'ai ça, c'est parce que voilà. Tout à l'heure, j'étais voir mon chat, il avait ça. Du coup, j'en ai sur moi. Bon, bref, c'est pas grave. Du coup, voilà. Normalement, quand je serai grande, du coup, comme je le disais, je continuerai ma chaîne, normalement. Voilà, bon je tiens à préciser que vous ne verrez personne de ma famille à part mes enfants et mon mari, voilà, mais autrement voilà. Après j'ai mis, quelqu'un m'a posé ma date d'anniversaire, c'est le 15 septembre 2006, ma couleur préférée c'est le rose, parce que je sais pas mais j'adore cette couleur, et j'aime bien aussi le bleu turquoise. Voilà. Mon animal de compagnie. Vous le connaissez, vous l'avez déjà vu sur YouTube et sur Instagram pour ceux qui sont abonnés à mon Instagram. Elle s'appelle Praline, elle a un an et c'est un chat du coup. Voilà, un chat qui a eu un an le 19 mars. Pendant le confinement, du coup, elle a eu un an. Et voilà. Après, j'ai quelque chose que. Un truc que je déteste. Ça, je sais pas. Parce que.
Bah, je mange de tout. Le seul truc que je n'ai jamais goûté, que je pense que je détesterais, c'est les choux de Bruxelles. Mais je n'ai jamais goûté, du coup, je peux pas dire que j'aime pas. Mais voilà, autrement, je mange de tout, 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 tout. Je mange de tout, moi. Alors, si par exemple, vous allez dormir chez une copine, les parents, ils peuvent me faire tout ce qu'ils veulent, je mangerai. Normalement. Hein. J'aime pas les lentilles non plus. Voilà. Quand j'étais petite, j'en mangeais, maintenant, j'aime plus. Voilà, autrement, voilà, quelque chose que je déteste, c'est des aliments. Après, je sais pas ce que je déteste. Ah oui, ce que je déteste aussi, c'est que, en fait, quand on craque les doigts un peu comme ça, voilà, je vais pas le faire parce que j'arrive pas, mais bref. Mon âge, du coup, je vais avoir 14 ans le 15 septembre, du coup, bientôt. Voilà, mes meilleurs amis et pourquoi mes meilleurs amis. Ben, j'en ai plusieurs, mais il y en a une que je revois seulement. Elle s'appelle Eugénie, vous l'avez déjà vue sur la chaîne, voilà. C'est. Ben, après, j'en ai d'autres, sauf que je ne les vois pas. Je vois que Eugénie, du coup, voilà. Après, j'ai ma. Ah oui, pourquoi? J'ai pas répondu à la question pourquoi. Parce que on se connaît depuis. Je la connais depuis qu'elle est en petite section, voilà, aussi, voilà. Du coup, bah, je la connais quoi. Du coup, ça fait longtemps que je la connais et après on est devenus amis, etc. Et voilà. Après, j'ai ma série préférée. Ouais, une série. Ma série préférée, elle a repris il n'y a pas si longtemps. C'est la série Demain nous appartient qui passe sur TF1. C'est une série que j'aime bien parce que je trouve que c'est bien. En ce moment, l'intrigue vient de se terminer, mais l'intrigue qu'il y avait depuis que ça a repris, l'intrigue qu'il y avait, c'était sur le viol. C'était une intrigue sur le viol. En fait, il y avait plein de filles qui avaient été violées. Il y en a sur les sur toutes les victimes, il n'y en a que trois qui ont été portées plainte. Du coup, voilà, je pense. Et à chaque fois, en fait, à chaque fois que les intrigues se finissent, ou au début, bah moi je trouve qu'à chaque fois qu'une intrigue se finit, il y a une moralité. C'est comme, pour moi, la moralité de cette intrigue, c'était que les femmes, quand elles se font violer, ou harceler, ou n'importe quoi, doivent aller voir la police, comme ça, ils peuvent aboutir une enquête, et voilà. Après, j'ai ma saison. J'aime bien le printemps et l'automne. J'aime bien l'automne parce qu'il y a des feuilles par terre, des jolies feuilles de couleur, etc. Voilà. J'aime pas l'hiver parce qu'il fait trop froid, j'aime pas l'été parce qu'il fait trop chaud. Et j'aime bien le printemps parce que les fleurs repoussent. Et les arbres, les feuilles sur les arbres et tout repoussent. Oh. Repoussent, voilà. J'ai ma matière préférée à l'école, je dirais. J'aime bien le français. Ouais, le français. Ouais, le français, j'aime bien. Mon passe-temps. Mon passe-temps, en ce moment, ce que je fais comme passe-temps depuis que je suis en vacances, c'est que je dessine. D'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer. J'ai mis ça dans un classeur. Ce que j'ai dessiné, c'est ça. Et bon, je dessine pas très 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 bien, mais voilà. Je vais avoir un peu de mal, mais bon, je vais quand même vous montrer. Voilà. C'est plusieurs choses que j'ai dessinées. L'autre, je vous le montre pas parce qu'il est hyper hyper moche. Bref, enfin, je vous montre quand même. Voilà, ça je l'ai raté, comme vous l'avez vu, mais c'est pas grave. Ça. Le truc préféré que j'adore sur ce dessin, c'est la paire de baskets que j'ai trop bien réussi. Voilà. Je vais mettre ça de côté du coup. Alors, bon, après le passe-temps, j'aime bien dessiner. Voilà, bref. Bah, ouais, j'aime bien dessiner, c'est tout. Après, j'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres. Si je suis plus salée ou sucrée, je dirais. Plus sucré. Mais en fait, ça dépend parce qu'il y a des, il y a des, il y a des moments où ça peut, c'est dans une période, je peux être plus salé, dans une autre période, je peux être plus sucré. En ce moment, c'est plus sucré.
Mais après, ça dépend. Mais j'aime bien les deux autrement. Ma musique préférée. Ça. Je sais pas trop parce que j'écoute pas de musique, mais alors pas du tout moi. Je suis pas musique. Voilà, je sais pas pourquoi, mais j'écoute pas de musique. Si j'en écoute, j'en écoutais quand j'étais petite, mais maintenant je n'écoute plus trop. Je sais pas, je n'ai pas trop de préféré en fait. Mon chanteur préféré. Bon, déjà, j'en ai pas, mais si je devrais dire à au hasard comme ça, ça serait. Je sais pas. Quand j'étais petite, j'adorais Louane. Je sais pas pourquoi, mais j'adorais Louane. Bon, maintenant, là, je vous dis un truc que j'aimais bien quand j'étais petite, mais après, je sais pas quoi. Parce que j'écoute pas de musique. Quand j'étais petite, j'écoutais beaucoup de musique. Maintenant, moi, j'écoute pas de musique. Je suis plus la fille qui dessine ou qui fait ses devoirs que la fille qui écoute de la musique. Voilà. Ou la fille qui danse. Moi, je danse pas non plus. Voilà. Mon magasin préféré. Magasin préféré. J'aime bien Jiffy parce qu'il y a plein de choses intéressantes en déco et tout. D'ailleurs, je vais y aller cette semaine. Et si j'y vais, je vous ferai un haul. J'y vais cette semaine parce que le week-end, il y a beaucoup de monde. Et il y a là avec le masque et qu'il y ait beaucoup de monde. Bah voilà, c'est pas bien. Du coup, on ira en semaine où il n'y aura pas normalement pas beaucoup de monde parce que les parents travaillent. Voilà. Bah les gens travaillent. Les parents, ouais, les gens. Bref, c'est pareil. Et mon. Ouais, j'y suis et. Après, les magasins, c'est les magasins, quoi. Mais Jiffy, c'est vrai que c'est un de mes magasins préférés, quand même. Alors, mon animal préféré. J'aime bien. Le lapin, c'est trop trop mignon. J'aime bien les chats et les chiens aussi. Parce que les chats, déjà, c'est bien. Nous, notre chat. Bah moi je l'adore, c'est logique, c'est mon chat. Aussi parce que nous on a de la chance. Parce que déjà quand j'avais un lapin avant, bon moi je me rappelle plus parce qu'il est mort quand j'avais vers les 2-3 ans. Du coup je me rappelle plus à quoi il ressemblait. Mais c'était un lapin, d'après ce que mes parents m'ont dit, qui était très... Très... Bref, je vais vous expliquer ce qui s'était passé. Très bon, bref, il était très gentil et tout. Bref, et mon chat, elle est super gentille. Et c'est un chat spécial parce que déjà, elle joue à cache-cache avec nous. Des fois, elle se cache derrière la porte et après, elle vient devant nous pour nous faire peur. Comme ça, ça, elle faisait ça quand elle était petite. Maintenant, elle ne le fait plus. Aussi, ce matin. Elle est venue, elle a réveillé tout le monde, toute la baraque. Quand je vous dis toute la baraque, c'est tout le monde. Mes parents, mon frère, moi, tout le monde. Pour dire, venez avec moi dehors. Du coup, on est sorti avec elle. Mais franchement, c'est vraiment un chat spécial. Et elle aime pas rester toute seule aussi. C'est pour ça qu'elle nous avait réveillés ce matin. Ma ville préférée. Je sais pas. J'aime bien Luxembourg, mais je sais pas si c'est une ville. Mais j'aime bien Luxembourg. Mon fruit préféré, c'est. J'aime bien les fraises, j'aime bien aussi les framboises, j'aime bien les groseilles, j'aime bien les. J'aime bien les mûres. Les mûres, voilà, c'est ça. En fait, je mange de tout comme fruit, c'est pareil ça. Du coup, j'aime un peu tous les fruits. Ma marque préférée, une marque. Je dirais en marque, je dirais Bic et Maped, parce que j'achète beaucoup de choses Bic ou Maped. Parce que voilà. Mais après, je sais pas, ma marque, j'en ai pas.
J'aime. En fait, je m'en fous, moi, des marques. J'achète. Après, je regarde si le produit est bien ou pas. Mais après, la marque, moi, je regarde pas. J'achète, c'est tout. Mon métier plus tard. Avant, j'avais un métier, c'était sûr que je voulais le faire. Mais là, j'ai réfléchi à un autre métier que je voudrais faire. Sauf que, bah, il faudra que je réfléchisse lequel je choisis entre les deux. J'aimerais faire péricultrice où je m'occupe des enfants dans les crèches. C'est des enfants, des bébés, ça va juste des bébés jusqu'aux enfants de 3 ans. Voilà. Ou alors, j'aimerais faire décoratrice d'intérieur. En gros, je vais décorer l'intérieur des maisons. J'adore faire ça. Et voilà. J'ai Jenny qui m'a posé la question là. Si je dors avec veilleuse ou sans veilleuse? Ça fait plusieurs mois que je dors sans veilleuse. En fait, quand j'étais petite, j'ai déjà essayé de dormir sans veilleuse. Bon, mes cheveux, c'est une cata, bref. J'ai déjà essayé de dormir sans veilleuse. Sauf que, quand j'étais petite, déjà, j'étais petite. Du coup, j'avais déjà essayé. Sauf que j'avais tellement peur que je l'ai vite remis. Hein. Et là, il y a depuis bientôt un an, je dors sans veilleuse du coup. J'en ai juste une que je mets, sauf qu'elle marche pas. Parce qu'en fait, si elle marche, mais c'est une veilleuse détecteur de mouvement que j'avais achetée au Carrefour. En fait, je l'ai achetée pour mon chat. Avec cette veilleuse, moi je la mets en automatique, je la mets pas en on, parce que autrement elle est tout le temps activée. Moi je la mets en automatique, en gros, en mode détecteur quoi. Moi je la mets, mais quand je vais aux toilettes, je passe devant, je vois quoi. J'ai pas envie de me casser la binette hein, quand je vais aux toilettes ou quoi. Ou alors pour mon chat, pour que je sache quand il rentre ou quand il sort de la chambre, voilà. Mon plat préféré, j'aime bien les pâtes carbonara. Ça, en ce moment, j'en mange. J'aime bien aussi l'œuf où il y a de la sauce et des choux-fleurs à côté. Je sais pas comment ça s'appelle, mais j'aime bien ce plat-là aussi. Voilà. Mon légume préféré. J'aime bien les haricots, les petits pois, etc. Après, ouais. Autrement, j'aime tous les légumes. En fait, c'est comme les fruits, les légumes et tout. Moi, j'adore. J'aime tout. J'aime faire mes devoirs. Yeah, ça, c'est. Je crois, ça aussi, Jenny qui m'avait posé la question là, je me rappelle plus trop. En fait, j'aime bien faire mes devoirs parce que pour moi. Il y en a qui vont dire, ah, oh, faire les devoirs, c'est nul, etc. Moi, j'aime bien faire mes devoirs parce que, au moins, pendant ce temps que je fais mes devoirs, je m'ennuie pas. Et ça me permet de réviser des choses pour quand je suis à l'école. C'est pour ça que j'ai acheté, que mes parents m'ont acheté des cahiers de vacances que je leur ai demandé. Parce que, autrement, je m'ennuierais pendant ces vacances. Et ça me permet de réviser les choses que je n'ai pas comprises en classe. Comme ça, quand j'arriverai en quatrième, je les comprendrai. Voilà. Du coup, ma mère m'avait acheté ça. Le passeport 6e, 5e et de la 5e à la 4e allemand pour moi et mon frère. Elle a payé ça 6,70. C'est un passeport. Elle m'a acheté de la 5e à la 4e un passeport. Toutes les matières, il y a français, maths, anglais, histoire, géo, SVT et physique, chimie. Ça, elle l'a payé 9,70. Elle a acheté le même pour mon frère. Et elle m'a acheté ça. Pareil, tout la quatrième qu'elle a payé 13,50 euros. Voilà. Où dedans, et comme matière, il y a le français, les maths, les langues anglais, espagnol, allemand, de l'histoire géo, E et de l'ENC, physique, chimie, technologie, SVT. Et il y a des orientations. Voilà, les orientations quand on veut faire un métier. Voilà. Après. Mon film préféré, j'aime bien Bienvenue chez les Ch'tis parce que c'est drôle. J'aime bien aussi Les Ch'tis de famille parce que c'est pareil. Moi j'aime bien les films drôles. Et j'aime bien aussi les films romantiques. Ça j'aime bien aussi parce que voilà. Les films d'amour et tout, ça j'adore. Voilà.
Mon livre préféré, ce que j'aime lire. Ce que j'aime lire, c'est les BD ou alors les livres d'aventure. Je regarde ce que j'ai un peu dans ma bibliothèque comme livre. J'aime bien les magazines, même si j'en lis pas, mais j'aime bien quand même parce que ça nous apprend des choses sur des animaux, sur des insectes, etc. Ouais, c'est tout. Mon acteur préféré. Alors, mon acteur préféré. Alors là, j'aime bien Ingrid Chauvin qui joue dans Demain nous appartient et qui joue très bien ce rôle. J'aime bien aussi Laurie Pester qui est une chanteuse qui chante très bien et qui fait très bien actrice aussi. Voilà. Ouais, après, je crois que c'est tout, hein. Et la dernière, mon youtubeur préféré ou youtubeuse. Moi, j'ai une youtubeuse que j'aime bien. Je la regarde pas souvent, mais j'aime bien les vidéos qu'elle fait parce qu'elles sont drôles. C'est Denise, je crois que ça se dit comme ça. C'est une youtubeuse qui fait beaucoup de 24 heures, comme 24 heures en homme ou 24 heures riche, VS pauvre, etc. Et en fait, dans ces vidéos, on voit la réaction des gens. Qu'est-ce qu'ils font comme réaction dans ces vidéos-là? Du coup, je trouve que ça, c'est bien. Et j'aime bien aussi Nico Capone qui font aussi des chouettes vidéos et des drôles vidéos aussi. Voilà. Après, moi je regarde un peu tout comme youtubeur et tout. Voilà. Après, je vais pas vous les dire tous parce que j'en ai plein des préférés. Là, je vous les ai dit les deux que je préfère. Après, il y en a que j'adore mais je vous les ai pas dit. Voilà. Voilà. Du coup, ouais, du coup, c'est bon. Je crois que je vous ai répondu. J'ai répondu à toutes vos questions. Ah oui, une dernière, parce que je sens qu'on va me la poser sur. On va me la poser, je le sens. En quelle classe je vais passer? Ça, je ne l'ai pas noté, mais je me suis retenue dans ma tête. Je vais passer en quatrième. Il y en a qui vont se trouver ça bizarre. Oh, tu vas avoir 14 ans, tu passes en quatrième. Oui, je vais passer en quatrième, car quand j'étais petite. J'ai redoublé car déjà j'avais beaucoup de difficultés quand j'étais petite. Et en plus, bah voilà, ils ont trouvé que j'étais pas assez. Bah, que j'étais. Bah, je sais pas comment expliquer. Bref, ils m'ont fait redoubler. Voilà, du coup j'ai fait deux fois mon année de moyenne section. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire, mais je voulais dire un truc. Ah oui, quand j'étais en petite section, je ne savais pas parler français. Ça a aussi causé un problème. Je savais. En fait, quand j'étais en petite section, je savais que parler luxembourgeois. Maintenant, je sais plus parce que ma mère avait dû arrêter de me parler luxembourgeois à cause de l'école. Du coup, maintenant, je me rappelle plus du luxembourgeois. Je connais que quelques mots. Mais. Petit à petit, je vais réussir, hein, mais voilà. Quand j'étais petite, je parlais en petite section. Les seuls mots que je savais dire, c'était nar, nar, yo, yo, etc. Nar, nar, ça veut dire encore. Et yo, ça veut dire oui. Et je savais dire, et je disais toujours né, né, ça veut dire non, quoi. Et en fait, je savais pas dire d'autrement que les. Bah, je disais d'autres, hein, mais là, je vous dis ce que je disais, que je me rappelle, quoi. Voilà. Du coup, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et bah, des petits commentaires. Non, vous pouvez pas en mettre. Parce que il faut que je les. Soit c'est YouTube qui me les a enlevés, soit je vais voir si je peux les réactiver. Parce qu'il y en a plein qui me demandent. Ah, oh, c'est quand que t'actives les commentaires que c'est, et si, et ça. Moi, je dis. Bah en fait, moi je dis tout le temps que je vais le faire, sauf qu'à chaque fois j'oublie, etc. Du coup, là je vais voir pour vous les mettre en même temps que je vais mettre la vidéo là, ou alors dans la prochaine vidéo. Bref, et aussi si je mets pas les commentaires, c'est parce que j'ai peur, j'ai pas peur des mauvais commentaires, juste que je ne veux pas des mauvais commentaires. Du coup, je préfère pas mettre je préfère désactiver les commentaires, comme ça je suis sûre que j'aurai pas de mauvais commentaires, et voilà.
Et du coup, bon, après, je sais que si j'aurais des commentaires méchants, je ferai avec. Mais c'est juste que, voilà, j'ai. En fait, voilà quoi. J'ai pas envie. Voilà. J'ai pas envie qu'il y ait des mauvais commentaires. Même une fois, ouais, c'était au début de ma chaîne. Bientôt, ma chaîne, ça va faire 3 ans que je l'ai. Parce que je l'ai commencé, j'avais 12 ans. Non, 11 ans. Et là, je vais avoir 14 ans. Du coup, ça fait bientôt 3 ans que j'ai ma chaîne. Et au tout début de ma chaîne, je sais plus c'était quelle vidéo, j'ai eu une grande YouTube. Non, là je vous vois vraiment pas, je suis vraiment sérieuse. J'ai une grande YouTubeuse, je sais pas comment elle s'appelait, qui avait plus de 1 million d'abonnés, qui a regardé ma vidéo et qui m'a dit en commentaire, continue comme ça, c'est très bien. Et je ne connaissais pas cette YouTubeuse, je sais pas, je sais pas c'est qui. En tout cas, elle a plus d'1 million d'abonnés, ça je le sais parce que je m'en rappelle. Je me rappelle plus son nom, mais ça m'a boosté encore une fois. Ça m'a boosté quand elle m'a dit ça. Parce qu'en fait, en plus, quand elle m'a dit ça, j'étais dans une mauvaise période de ma vie, quoi. Du coup, voilà. Et du coup, ça m'avait boosté, et voilà. Bon, il y en a qui vont me croire, il y en a qui vont pas me croire, ça je le sais. Parce qu'il y en a, voilà. Du coup, je vais vous laisser là. Bye bye.